Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve au Bass Gym pour une nouvelle vidéo challenge avec un invité de taille, monsieur Corentin Clément, qui est champion du monde de powerlifting. Champion du monde de powerlifting. L'homme le plus fort de France est à côté de moi avec un squat à 360 kg, un deadlift à 375 kg, un bench à 220 kg. Mais on va voir dans cette vidéo qui de nous deux est le plus complet des challenges physiques avec de la force, de l'endurance, mais aussi des trucs d'équilibre, d'agilité et de réflexion. Parce que pour être un athlète, c'est bien beau d'être fort, mais il faut être complet. On va voir ça tout de suite. Pronostic ? Tu as gagné. Tu as gagné ? Voilà, ça c'est vraiment la réalité d'un champion du monde. Bon visionnage et let's go pour le premier challenge. La paire de 60 kg. L'objectif, Corentin, c'est de tout simplement prendre les 60 et tenir le plus longtemps possible. Je pense que t'as un deadlift à 275, donc il n'y a pas trop. 375, à chaque fois. Il n'y a pas trop de suspense. Pour qu'il commence, on va faire un pierre, papier, ciseau. Est-ce que t'es prêt? Pierre, papier, ciseau. C'était Let's go. Donc, il n'y a pas de règle. Pas de magnésie, pas d'échauffement pour le French challenge directement. Fais gaffe à ton dos quand tu le prends. Ok. Moi, j'ai une théorie, et c'est pour ça que j'ai fait feuille. Et j'ai lu, je sais pas, c'est vrai, quand quelqu'un est stressé ou qu'il y a une pression, ils font pierre parce que tu fermes ton poing. Je te promets. Psychologie de comptoir. Si je perds des trucs de force, toi, c'est pas la force. Et qu'il y a de l'agilité, je vais forcément perdre. Je suis fini. Dis-moi qu'il va en faire des burpees et des satoriens après. Let's go, chrono lancé. Ça se voit qu'il est solide, ça se voit qu'il est solide de ouf. Tu sais combien de temps tu penses que tu vas faire combien? Aucune idée. T'as jamais fait de ta vie. Je te dis, j'ai pas beaucoup d'endurance. C'est ça que j'aime avec ces chaînes, c'est qu'on sait pas. J'ai pas tant d'endurance que ça au niveau du grip, du coup je sais pas. Pourquoi tu m'enlèves le coup? Ah, tu veux savoir? Bah ouais. Ok. Pronostic, les gars. Je commence à être habitué à ça, mais je m'améliore pas. C'est comment? Ça va. C'est 30 secondes quoi. Tu penses monter à 3 minutes? Non. Ok, ça marche. Tu penses à quoi? Je me concentre. Là il est en train de dire que je peux pas perdre. Je suis champion du monde. Ça pique? Oui, ça va encore. 50. Oui, pas challenge, il est dans toutes les vidéos donc il y aura un Hall of Fame. Est-ce que tu veux être le meilleur? C'est quoi 55. Je crois que c'est Stéphane. Stéphane NFC, je crois qu'il avait fait 1 minute 30. C'est bon, je suis mort, les gars. 1 minute 6. Putain, je suis dégoûté. Prêt pour mon excuse, il est champion du monde quand même. Vas-y, 10 secondes, 9, 8. Allez, gros, lâche pas. 20, 35. Jusqu'à ce que ça lâche, bats pas le chrono. Reste dedans, gros. Allez. 1,32. Ah, c'est beaucoup. Le droit, j'étais lâche. Du coup, je me sentais partir. Ça m'a mais non. Je sais plus combien Stéphane y a fait. On va le mettre juste ici. Propre, gros. Ce que tu dois faire maintenant, fais comme ça rapidement. C'est dur. Ah, ça va. T'es un solide. 1,32. Ah. Allez, 3, 2, 1. Parti. On va voir à toi quoi tu penses. Ah, il a l'air bien concentré quand même. Hein. Je l'ai trop mal pris de la main gauche. Ah, ça cherche des excuses. Hein. Après, c'est vrai, moi aussi je l'ai mal pris de la main gauche, donc on est quitte comme ça. 15. Hey, il se foutait de ma gueule quand c'était moi. Hein. Tu penses à quoi? Tu penses à quoi? C'est bizarre, il n'y a pas de parole là. C'est très concis. C'est parce que mec. Ouais. 30 secondes. J'ai un titre de champion du monde à défendre. T'as fait un tiers là. Tu peux me dire encore deux tiers ou... Ben non mec. C'est proportionnel à notre soulevé de terre. Ah. 45. 45. 44. 45. Allez gros. C'est pour vous ça les 50. Gars. Mettez un pouce bleu pour la force. 55. 1 minute. T'avais pas des fourmis à la fin? Si. Moi j'ai des fourmis. Si j'ai mon quad qui crampait, je sais pas pourquoi, ça n'a aucun rapport. Allez, Bazo! Une 10. Allez, Bazo! Mais non! Une 5, une 5. Ok, ok. Une 15. Allez, Bazo! Allez! Une 20. Ça lâche! Regardez sa tête! 25. Ah, fouet! Je t'avais des fourmis!
partout. Je l'ai pas vu. 29, une 29. Oh, c'est un PR. Mais de loin en plus, non? Je sais pas si on voit les traces de l'alter. Bon, premier challenge terminé. Un point pour Corentin. Pour le deuxième challenge, Corentin, un mix de force et d'endurance. Ta spécialité aussi. Tu vois, je rentre dans ton domaine pour... je suis sympa, t'es invité. Développé couché. Ah. Larsen, c'est-à-dire avec les jambes tendues, comme ça c'est un peu plus dur. Mm-hmm. Max rep chacun. Okay. Ton poids de corps, mon poids de corps. 100 kg. 110 kg pour Corentin, 85 kg pour bizarre. Moi. La gravité est dure. Tu fais 108 kg. 107. Donc 100... en théorie on arrondit à 105. Mais c'est pas grave. 110. Est-ce que tu veux 105? C'est ma spécialité, je le prends 110. Okay. Il fait 107 kg, on arrondit à 110. Je fais 86, je pense, on arrondit à 85. Développé couché, jambes tendues, c'est-à-dire qu'il n'y a que les bras qui poussent. Okay. Max rep. C'est quoi ton max bench? 170. Ah, je pense que j'en ai 35, 40. Vas-y. Je sais pas. À 110, c'est pas lourd quoi. Toi, t'en as combien? Moi, j'en ai 2. Non. Non, mais non. Non, mais. Tu m'as dit 35. À, 4... pas, à 85, normalement, j'en passe 20. Je vois que tu commences un peu à stresser, t'as les mains moites, donc je te laisse t'échauffer. Surtout nu, je vais déchirer un bec, gros. On fait un max écarté bouclier. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il est en train de chercher un truc dans son sac. Je dis, moi, je mets des bandes poignées. Mais mec, ça c'est de la triche. Comment ça c'est de la triche? Un jour, j'étais avec Rico, il m'a mis des bandes poignées. J'ai l'impression d'être un cyborg, ah gros. Ouais, ça faisait... C'est vrai que... c'est un piston, gros. Mais ça sert à quoi? Ça me change rien. J'ai pas de muscles moteurs, tu vois, qui sont les poignées. Non, mais les gars. Après, si tu veux, tu peux les mettre. Non, mais les comme ça, si je perds, je n'ai Ok, d'accord. Donc, je les mettrai pas. Je fais, je vois ce que tu fais et j'en décide si j'ai besoin de mettre des bandes de poignées ou pas. Ok. Tu m'imagines combien de reps? Bah, je sais pas du tout. Tu m'as dit que tu fais 170. Non, je, à mon prime. Ah. Là, je suis très athlète aujourd'hui. Bah, tu m'as dit t'en faisais 20. Ouais, je me suis dit à 100, je fais au moins 12-15. En fait, moi, j'ai aucune idée. Parce que, genre, 140, je sais combien j'en fais. 180, je sais combien j'en fais. Tu fais combien 140? Ah, 140, j'en fais 20. Il fait 20 reps à 140. 85 kg chargé sur la barre, jambes tendues, uniquement les bras qui poussent, max rep, zéro pause. Ça me va. Oh, putain, j'ai peur, mais je vais me faire. Qu'est-ce que je fais un change bench avec ce champion du monde? Ouais, ouais, un challenge d'équilibre, merci. Allez. Juste le début, on peut se mettre. Allez. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, grand dur. 12, 13, 14, 15, 16, allez, 17, 18, 19, 20. Ah oh, c'est dur. Oh, 21 reps. Ah, en vrai, Oh, la congestion là. Après, c'est un petit posing, challenge posing. Ça va. Vas-y, mec. 22 reps minimum, tu les as easy. Allez, t'as la possibilité de mettre 2-0 là. Ouais. Je pense qu'après il y a des burpees hein, et du cardio. Mais mon protège-dents, je l'ai foutu. Mon protège-dents. Mon gars, et regarde les non, dents. Mais... Regarde les dents limées, que j'ai toutes petites dents. Tu sais, c'est à cause de la force, je me lime les dents. Monte tes dents limées. Quand je me crispe. Non. Mais quand je me. Tu sais, quand je me crispe, du coup, je serre la mâchoire de ouf et du coup, j'ai les dents qui sont toutes petites. Et ça, c'est mon ancien colocataire qui est dentiste qui me l'a dit. Il m'a dit, fais attention, mon gars, bientôt t'auras des implants. Et j'ai pas envie d'avoir des implants. Le problème, c'est que j'y vais me battre. Je pense qu'il y en aura au moins. Je pense qu'il y en a au moins 28. Ah, 22, pas plus. Parce que j'ai un entraînement après. Comment complètement? Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, easy, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, facile, 19, 20, 21, et 22. J'ai même pas fait l'effort d'aller au max. Je n'ai que la piste. Il m'a fait c'est la stratégie. Félicitations. Je pense qu'on avait genre 26. Avec le tempo, c'est dur. Pas 30, 32? Non, 26, je pense pas plus. Ça pique, hein? Putain, ça fume. Bon, on va changer de catégorie. On a fait les deux premiers challenges dans la catégorie force, endurance. Grand vainqueur, 2-0. Là, on va passer dans la catégorie plus ou moins proprioception, on va dire. Le fameux challenge des yeux bandés. Ah. Deux exercices. Squat à la barre. Ok. Et curl à la barre debout. Oh là là. Le caméraman va nous mettre un poids au hasard. Nous, on va sortir. On commence par le squat. La règle est simple. Tu dois faire 5 reps maximum, yeux bandés. Et le poids, il va être entre 20 kg et 100 kg. Ça, c'est la partie du challenge. Faut se débrouiller pour y aller, gros. Let's go, Corentin.
il y a entre 20 et 100 kilos sur la barre et t'as 5 reps. Attends, déjà je me centre. Okay. Ça va être trop dur, moi je sens pas la diff entre 20 et 100. Eh oh, un peu de respect là. Ah, il y a clairement pas 20 déjà. Il y a assez lourd. J'ai pas besoin de squatter, je pense que ça servira à rien, ça va plus souffle. Oh là, attends. Attends. T'as pas squatté? Non, je suis descendu genre au quart de squat et c'est bon. Et tu penses, tu sais? Ouais. Moi les gars, je fais 5 reps. Oh, super lourd, super lourd. Si je peux me permettre. C'est pas super lourd. Oh, j'ai failli tomber. Voilà, ça me vanne. Si, c'est assez lourd quand même. Bah oui, oui. Je pense qu'il y a au moins 140 là. Attends, j'en suis à 3 là. 4. J'ai la 5ème. Trois, deux, un, 92. 87,5. 92 et demi, quand ouais. J'ai 92. Et moi, 87,5, 92,5. Oui. Non. 2, 4, 6, 80. 2,5. Putain. 2 pour Mazou. Ouh, moi j'ai pas besoin de faire 2 squats. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça m'aurait mis en erreur. Je sens pas la différence. On se retrouve pour le cœur, là, le tête. Ah ouais, bah super. Cœur. Encore mieux, je fais jamais de cœur. Si je perds déjà au squat, y'a aucune chose. Si, on peut faire un cœur entre 60 et 140. Pas. Comme ça, il y a un peu de challenge. Je fais même pas une rep. Deuxième challenge de la proprioception. La même chose, les yeux bandés sur du curl. Let's go. Bien fait, c'est comme ça, je bouge pas. Oh, c'est super dur, gros, ça, de savoir. Et tout le monde, il a mis 50 pour que tu te pètes un biceps. Ok, galère. C'est sûr que c'est plus que 35. Mais j'ai aucune idée, je pourrais faire 15 reps avec ça. Mais gros. Tu fais pas 15 reps, promis. Tu fais pas 15 reps, ok, merci pour le coup. J'ai même pas réussi. Bon, il m'en reste une, j'en ai fait 4 là. C'est trop dur de centrer ses mains déjà. Ah non, ça va. Après, je sais pas. Je fais jamais de cœur. Ah, ça c'est lourd. Oh, mes coudes sont craqués. C'est des coudes? Ouais, ouais. J'ai aucune idée, mon gars. Savoir? Non. Là, je fais une petite 117, c'est cool. Non, mais en vrai, c'est lourd un peu. Ouais. T'en fais pas 15. N'essaye pas de m'influencer. Moi, je l'ai, mec. Non, tu l'as pas. Tu fais genre, tu l'as. 3, 2, 1, 42,5. Putain, c'est sûr qu'il a raison. Il a qu'à se regarder, il l'a regardé, c'est 42. Il a mis deux petits 5, le salaud. Tu sais que je voulais dire 42 et je me suis dit non, ça va être plus lourd que ce que je pense. Ma réflexion. Tu sais pourquoi je dis 42? Vas-y. Quand je l'ai reposé, j'ai pas eu la sensation de la poser basse. Du coup, je pensais qu'il y avait des. Ah putain, t'es trop malin! Du coup, j'ai pas réfléchi. Non, parce que je pensais qu'il y avait des plaques de 10. Et du coup, je pensais qu'il y avait 10. Ah. Alors qu'il y a des 5. Donc en fait, c'était la bonne. Enfin, c'était la bonne réflexion. J'avais de la merde. Mais 2-2. On se retrouve pour la prochaine catégorie. Pour être un athlète complet, il faut être fort, endurant, avoir de la proprioception, ce qu'on vient de faire. Qu'est-ce qu'il manque? L'agilité. Le cardio. Et quoi de mieux qu'un éco-bag? En plus, il vient de s'en tirer dessus. Du coup, c'était l'objectif, ça va être... En fait, là, c'est un mix de cardio et de puissance. Ça peut être sur le long terme, mais il faut avoir de la puissance aussi. Ça va être celui qui fait le plus rapidement possible 10 calories. En gros, sur le truc, on peut mettre un target time. Oui. On va mettre 10 calories. Okay. Et le premier qui arrive à 10 calories, on voit le temps. Celui qui est le plus rapide, il gagne le point. Tu te sens comment? Je peux pas louper encore. Athlète complet, cardio, ouais, puissance. J'ai tout. Attends. Mets-toi en place bien. Okay. Pour que tu vois que j'appuie bien, je fais spark. Ok? T'es prêt? C'est bon. Allez, bon. C'est bon. Oh, le buffle! 1663 watts, 11 secondes pour faire 10 calories. Regarde. Je suis foutu. Alors, mon gars. Non, mais je vais donner le max. Allez, gros. 11 secondes! Égalité! Par contre, j'ai eu que une puissance!
2400. Comment on fait? D'abord on arrête de parler. Moi ça va, ça fait une minute. En seconde, il y avait 2-2 et il y a 3-3. Félicitations. Ah, on prend un pour chacun du coup? Bah oui. Ok. Bon, le cardio est un petit peu revenu, ça nous a explosé. Il y a égalité, donc c'est cool. Ça change un petit peu d'avoir des égalités. Prochain, ça va être plus facile. On va tester notre équilibre. Du coup, on va enlever une chaussure, on va se mettre sur le pied droit. Et l'objectif, je vais te montrer, c'est très simple. T'es droitier ou gaucher? Peu importe, c'est pied droit de toute façon. Ah, mais t'es droitier ou gaucher? Moi, je suis droitier. Ok, donc t'auras un avantage que je suis gaucher. C'est juste que si jamais tu gagnes, que ce soit clair, que c'est parce que t'es un avantage. Bon, on fait pied gauche. Non, c'est bien, non, t'es pied gauche. L'objectif, je vais t'expliquer. Regardez, tu vas te mettre sur ton pied gauche. On va avoir les yeux ouverts, tu fixes un point. On met notre pied sur le genou, main sur les hanches, et à partir de là, on ferme les yeux. Le premier qui tombe perd ne gagne pas le point. On peut faire ça, ouais. Mais dès que le pied s'enlève du genou, c'est mort. Ou qu'on tombe, c'est mort. 3, 2, 1, on ferme. Je suis dégoûté. C'est bon, moi, c'est bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis sûr que c'est à cause du cardio d'avant. J'ai bugué. Tu sais, comme t'as le cardio d'avant. Oh non, je suis dégoûté. Bah, 4-3. Ça me bat de ouf. Oh, y'avait aucun monde où je gagnais ça normalement. Oh merde. T'as vu, dès que tu fermes les yeux, tous tes muscles qui commencent à faire tout. Le premier qui met le panier de 6 mètres. Est-ce que t'es prêt? Non, mais bon. C'était mal. Oh, les deux herbes. Ouais, c'est maintenant les gars, je vous montre. C'est le sobaï ça, on a le sang qui est plus de vie. Ah ah. Comment c'est possible d'être aussi nul? Je vous assure, le prochain elle passe. Yes! J'ai tenu parole. Mais vu que j'ai commencé le tir, il a encore. Mec, si tu ne le mets pas là, c'est terminé. Hein. Yes! Ça fait égalité 4-4. Maintenant, on va tester nos pieds. Okay. Le premier qui fait un tour du monde. Un essai, chacun okay. Son tour. Corentin. Il faut un jongle après. Hein. Ouais. Ouais. Oh, le premier coup. Non! Mais non! Oh, tu fais un essai, t'arrives même pas à faire deux jongles. Regarde, regarde à quoi j'enchaîne, mec. Non, j'ai abusé. Je suis faible. Si tu la passes, t'as le point. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Tiens! Bah alors mon gars, il manque un truc qui est important de muscler. On va commencer par du calcul mental. Ah ok. Mais je pense que t'es chaud. Ça va. Mais ça va être compliqué parce que ça va être deux chiffres multipliés par deux chiffres. Ok. Le concept est très simple, deux calculs mentaux. S'il y a égalité, on fait un troisième pour départager. Qui donne la bonne réponse le plus vite possible, gagne le point. Ok. 79 multiplié par 16. Il a pris 1200. Ah! Attends, chut! J'ai faux, mais 974. Alors, je sais pas, attends. 79 x 16? Putain, je l'avais, j'ai perdu mon. Il me restait plus qu'un calcul. 1240? Non. Chut! Attends. 1244? Non. On se rapproche, non? Ouais. 1165? Non. Qu'est-ce qu'il raconte? Gros, c'est trop dur, j'arrive pas à réfléchir. Mon cœur, il est à 150 battements par minute là. Encore. 1264? Ouais. T'as trouvé 800 au début. 1264! Prêt pour le deuxième? Mm-hmm. Putain, ça chauffe. Hein. Il est un tout petit peu plus facile. 17 x 34. 578. Oh, il était chaud sur celui-là.
On est à 5-5. Bon, on arrive à la fin de ce challenge. Il y a égalité parfaite sur qui de nous deux est le plus complet. 5 partout. Donc ça fait plaisir, ça montre qu'on est tous les deux complets. Mais pour vous quitter cette vidéo, on va quand même faire un tout petit dernier truc. Parce que je pense que vous voulez voir qui est le vainqueur de cette grande journée. On aurait pu vous laisser là sur un calcul mental remporté par Bazou et sur cette égalité. Mais on s'est dit, on va tirer une question de culture générale au hasard complet. On n'en a aucune idée. Celui qui répond juste, il a gagné. Ça veut rien dire en vrai, parce que c'est une question sortie nulle part. Mais t'es prêt? Vas-y. Ça sera la fin de cette vidéo. Question. Combien de secondes dans une journée? Combien de secondes dans une journée? 3600. Mais oui. C'est faux. Ah. Putain, du coup, il a continué. 1560. Non. 2560. Non. Combien de secondes constitue une journée? Ah, de secondes? Bah oui, c'est ce que j'ai dit. 16400. Non. Ah, je suis trop nul. Ah non, arrête de me déstabiliser, là. 7920. Ah gros, je suis trop nul, c'est incroyable. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est un truc de ouf, je suis trop rénant. Arrête de parler. Vous voulez 4 propositions? Non, non, non. Non, non, c'était fou, quoi. Je les ai, gros. 86400. Yes. 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 C'est le champion du monde, le plus complet. Sans surprise, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. J'ai profité pour tourner un podcast avec Corentin, c'était super cool. J'espère que ça t'a plu. C'était grave. Maintenant, il y a encore une vidéo pour sa chaîne qui nous attend. Un bon petit training, force à vous. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Je suis dégoûté. Ah c'est ok, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il fait là, pour y aller plus envie? Je sais pas, il se fout de notre gueule peut-être. Il est en train de nous filmer juste devant là, je crois.